Stevie, ça te touche de voir Roloana ou pas? Est-ce que ça te fait quelque chose? Non, mais je suis déjà extrêmement heureux qu'elle soit là parmi nous. Moi, Loana, je suis un peu ému parce que j'aime beaucoup. Je lui ai tendu la main plusieurs fois. J'ai pas compris, mais j'ai appelé Eryl. Ouais, tout à fait. Je sais pas si tu l'as dit, mais. Mais j'ai alors, même Eryl m'a tendu la main, si tu veux. Oui, je suis ému parce que c'est une partie de mon histoire aussi. Donc, quand tu es pas bien, t'as pas envie d'embêter les gens. Voilà. Je sais, je suis un peu comme toi, mais parfois il faut savoir. T'as essayé de l'aider à plusieurs reprises. À trois fois, je lui ai réagi. Je sais. Trois fois, je lui ai tendu la main. Je lui ai dit, tu peux venir au Mans. Je t'accueille chez moi. Je voulais pas que tu voyais dans quel état j'étais. Mais oui, mais au final, j'aurais préféré que tu viennes avec moi. Tu vois que voir des gens comme l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, ton agente, enfin ouais, peu importe, on va pas lui faire de pub. Mais en tout cas, je suis ravi qu'Eryl je suis ravi qu'Eryl s'occupe de toi et sa maman aussi. Mais si mieux, on pourrait passer un moment où là je te dirais oui. T'es la bienvenue parce que franchement, ça m'a tellement blessé. Je sais, quand j'ai vu tes aventures, je me suis dit, mais c'est dingue, je la vois couler, je ne peux rien faire. D'ici la fin de l'année, on passe un week-end ensemble au Mans. Tu me le jures ? Je te le jure. Je lui rappellerai. Stevie. Tu seras le bienvenu. Je te jure. Stevie, ça t'a peiné qu'elle t'ait pas de nouvelles de Loana, qu'elle ne te réponde pas à tes messages ? Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours été bienveillant envers Loana. On a vécu des choses incroyables, le défilé Jean-Paul Gaultier, on a fait des soirées, elle est déjà venue au Mans en plus, j'avais invité un week-end au Mans, donc c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime. Donc au début je me suis même j'ai vu que sur le prime avec Benjamin, t'étais un peu énervé après elle. C'est pas que j'étais énervé, c'est ce que j'ai dit, j'étais blessé. J'étais blessé qu'elle me réponde pas parce que je la vois s'enfoncer, alors que moi qui suis une main sincère parce que j'ai rien à gagner, je fais vraiment parce que je l'aime, pas pour des raisons XY ou machin ou bidule, c'est parce que je veux l'aider. Donc quand je vois ça et que je suis impuissant et que je la vois toujours couler plus bas et que j'essaye de la rattraper et qu'elle m'échappe, quand on aime vraiment quelqu'un, ça fait de la peine. Et je suis ravi que tu sois là et sache que mon affection est indéfectible. Voilà. Mais on passera ce week-end ensemble. Loana, est-ce que tu as fait le tri dans tes relations? Oui, bien sûr. Là, aujourd'hui, j'ai enlevé 70% de... T'en es où avec Sylvie Ortega? On ne se parle plus. Parce que j'ai vu que vous avez essayé de la recontacter. Non. J'ai fait un envoi groupé d'un brin de muguet pour le 1er mai. Oui. Et elle était encore dans ma liste. C'est ce qu'elle a reçu. D'accord. Mais je ne parle plus à Sylvie Ortega depuis l'affaire de l'histoire des médicaments. Alors, elle l'a dit, qu'elle voulait ça pas... Ça fait des mois, là, que je ne lui parle plus. Alors, elle a mis un mot, elle a dit « Loana risque d'être invitée demain sur TPMP. Je préviens direct une seule accusation, une seule insulte ou autre à mon égard. Je me déplace direct à Nice chez sa mère et je fais tout en sorte que cette fille se fasse directement interner via le procureur. » Mais elle est marrante, je ne suis pas chez ma mère. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait chez ma mère? Non, mais comment on peut dire ça, déjà? Est-ce que c'est intelligent? Juste penser ça. Est-ce intelligent, cette réaction de sa part? À quel point elle est en relation avec moi? Je suis chez Eryl, elle dit qu'elle va chez ma mère. Est-ce que tu... Mais je ne veux pas faire d'insultes sur ce genre de choses. Je veux dire, je ne suis plus en relation avec elle. D'accord. On ne s'écrit plus, je ne veux plus la voir jamais de ma vie. Eh ben, amen. Moi, je suis ravie. Voilà. Est-ce que tu as rompu tes liens avec Fred Covin, ton ex? Oui. Terminé? Oui, terminé. Fini. Aujourd'hui, t'en es où avec ton pote Jérôme? Nicolas, avec qui tu étais à Cannes. Ah, je sais que vous étiez un petit peu brouillé, tu étais parti de Cannes, mais finalement ça va mieux. On se dispute comme des amis se disputent. D'accord. Ça reste toujours mon bébé.